69 doublettes hommes et 12 joueuses dames étaient au rendez-vous à Guingamp sur le terrain du Pétanque Club Harlem. L'ODJPEV est une organisation du développement des jeunes pour la promotion économique des villes du Bénin. On s'occupe un peu de tout et notre particularité, c'est le sport. Nous espérons que tout cela va se passer dans le fair play et dans la convivialité. Que le meilleur gagne et que la fête soit belle. Après 8 heures ce samedi, deux doublettes de Aaron Premier, une de Prestige PCK et une de PCAC gagnent leur billet pour les demi-finales du dimanche. La journée du dimanche démarre par la compétition dames. Les 12 dames, réparties en 3 poules de 4, ont offert un magnifique spectacle qui envoie au second tour Linda de Medeiros, Emma Fagbohun, Kouagou Evelyne, Ima Kourodou, Sambo Laima et Mylène Zounon. En demi-finale, toujours chez les dames, on retrouve Imane Kourodou face à Sambo Laima de Renaissance PC de Parakou et Emma Fagbohun de Prestige PCK face à Evelyne Kouagou de Aaron Premier. Dans la première demi-finale, Imane Kourodou s'impose 11-5 dans une rencontre très disputée devant Laima. Dans la seconde, Emma Fagbohun écrase Evelyne Kouagou 11-0, un match à sens unique. Chez les messieurs, la doublette d'Empérins Alain Houdongo était opposée à celle de Moustahine Adeni. Dans ce duel des demi entre doublette d'Aaron Premier, le match tourne à l'avantage de Moustahine 11-6. La seconde entre Roland Fagbohun, Marcel Betaglé et Houbo Désiré, annoncée comme un choc, a été survolée par la doublette de Prestige, conduite par Marcel Betaglé 11-0. Et je menais 7-2. Et mon adversaire a commencé par remonter le score et la pression a monté. Un temps mort pour changer de tenue. Et après, c'était plus la même finale. En avant 7-1, Imane se fera remonter au score par sa benjamine, Emma Fagbohun, 11-9. Et le reste, ça n'a pas marché. Le score était un peu déjà très élevé avant que je me suis dit qu'il fallait que je reprenne le jeu à mes mains. Malheureusement, le score était déjà trop parti. En finale chez les hommes, Roland, l'aîné de Emma, a l'occasion avec Betaglé d'offrir le doublé à Prestige. Mené juste dans la dernière main, il renverse la tendance pour battre sur le fil Moustahine de Aaron Premier 11-10. Mon pointeur n'était pas bien exprimé. Donc, il a trouvé beaucoup d'occasions pour qu'on gagne. Il n'a pas pu. On a fait la différence juste avant la dernière main parce qu'on n'était pas trop bon au tir, parce que c'est le tir qui nous dérangeait, mais on a essayé de beaucoup pointer pour pouvoir prendre le dessus sur l'adversaire. Sur le podium de cette 7e édition, on retrouve chez les hommes Prestige PCK, Aaron Premier PCAC et chez les dames Prestige Harlem, Renaissance PC et Aaron Premier.